Trouvez un article dont on a la référence. Voici la référence à un article que vous souhaitez obtenir. Cette capsule vous montrera comment faire pour y arriver. Dans la majorité des cas, vous pourrez repérer rapidement un article en cherchant simplement son titre dans l'outil de recherche SOFIA. Pour obtenir des résultats de recherche ciblés, allez dans l'interface de recherche avancée de l'outil et faites une recherche par titre en entrant le titre de l'article dont vous avez besoin. Notez que pour que cette stratégie fonctionne, la recherche doit se faire dans la base de données WorldCat.org qui répertorie les articles publiés dans de très nombreuses revues scientifiques disponibles en ligne. Une fois l'article repéré, cliquez sur « Voir le texte intégral » pour accéder au texte de l'article. Vous pouvez maintenant télécharger l'article en format PDF. Si vous ne repérez pas l'article avec cette stratégie, voici une deuxième option. Vous pouvez consulter la liste des périodiques électroniques auxquels l'Université de Montréal est abonnée en cliquant sur ce lien. Pour des résultats précis, entrez le nom complet de la revue. Nous avons repéré une seule revue et c'est bien celle dont nous avons besoin. On voit ici que nous pouvons accéder à cette revue avec deux liens différents. Pour faire le bon choix, identifiez l'année de publication de l'article dont vous avez besoin. Puisque j'ai besoin de consulter le numéro 45 paru en 2018, je sélectionne ce lien, donnant accès au numéro paru entre mars 1999 et aujourd'hui. Une fois sur l'interface de la revue, repérez l'année, le volume, le numéro, ainsi que les pages de l'article dont vous avez besoin. Enfin, sachez que même si les collections de l'Université de Montréal vous donnent accès à des milliers de revues, il est possible que vous ayez besoin d'un article, d'une revue pour laquelle nous n'avons pas d'abonnement. Dans ce cas, il est possible de faire gratuitement une demande de prêt entre bibliothèques. L'article vous est alors envoyé par courriel, souvent en moins de 48 heures. Pour ce faire, rendez-vous sur le site des bibliothèques, onglet « Chercher de l'information » et consultez la page du prêt entre bibliothèques.